Actuellement, on ne peut pas les Jeux Olympiques, qui n'est pas tout facile. Donc, à ce moment, ils ne sont pas encore prêts. En fait, on attend le stage comme on nous a promis. Aux qualifications, ce n'était pas facile parce qu'on a d'abord travaillé depuis janvier. Et malheureusement, on n'a pas eu les stages qu'il fallait, ce qui fait que ça a failli nous coûter cher. Tous nos adversaires étaient vraiment prêts. Par rapport au championnat qu'on a fait depuis janvier, on a fait le championnat de la zone ici, le championnat d'Afrique ici. Ce n'était pas la même chose. On a fait la Ligue de Maputo, ce n'était pas la même chose. Mon capitaine, Moulema, il était parmi les gens qui ont été surpris lors du tournoi. Et heureusement, Dieu merci, on a essayé de faire avec l'expérience, parce que ça, ce n'était même pas parce qu'on était plus bon. Mais juste parce qu'on essaie déjà avec l'expérience, c'est ce qui nous a donné la qualification. Il faut le dire, moi, je ne suis même pas d'accord, je ne suis pas content d'être encore ici au Cameroun parce que moi, je connais comment ça se passe là-bas, à l'extérieur. Au niveau olympique, ce n'est pas le championnat d'Afrique, ce n'est pas le championnat du monde. Moi, je pense que normalement, à l'heure actuelle, on devait déjà être en train de travailler avec les meilleurs. L'Ukraine, bien le Cuba, c'est les pays qu'il nous faut parce que c'est le Cuba. C'est l'un des pays qui sont les meilleurs dans le monde. Mais le meilleur pays, c'est l'Ukraine. Une compétition comme les Jeux Olympiques, ce n'est pas le championnat d'Afrique ou la zone 3 que tu vas t'élever comme ça, dit que bon, tu fais les entraînements de 2 jours, tu pars. Donc les Jeux Olympiques, c'est pour pas longtemps avant pour avoir la médaille.